Wouh! Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Far Cry 5, le dernier de cette session normalement. Et de Crow, d'accord, ok. Et un point de talent, c'est génial, on récupère des points de talent à foison. Et donc dans cet épisode, je pense que nous allons entamer la deuxième campagne du jeu, c'est-à-dire la campagne que nous allons faire, c'est celle de Jacob. Le montage fait que j'ai déjà rejoint, en tout cas fini, ce que j'avais à faire. Y a-t-il des crocodiles ou des alligators? Toujours pas. Alligator. Tant pis. Je me fais pas d'illusions, hein. Je sais que ça va être mon bunker avec compromis, que ça va être en dessous. Un connard a foncé dedans avec une drague. J'essaie de l'en sortir, mais dès que je touche aux commandes, elle s'enfonce un peu plus et il manquerait plus que des enfoirés de fanatiques viennent piquer une tête pour me voler mes réserves. C'est parti. L'épave. T'as entendu? Serait-il juste derrière la porte? Alors j'ai envie d'essayer un truc, ça fait longtemps que... Ah! J'avais envie d'essayer, ça a l'air d'être un peu plus rapide que le crochetage, ce qui est une bonne chose, hein. Oh. Moi qui pensais tomber là. Tomber la chemise, tomber là, tomber la chemise. Ou alors c'était la sortie peut-être. Et de l'apnée à partir d'ici, génial. Que tout va bien en fait. Wouhou! Oh bah c'est quoi, parce qu'il est pas loin en plus. Il doit être juste au bord du truc. Bon, c'est pas grave. Et donc étrangement, ok, j'ai réussi en fait à créer un passage. D'accord. J'ai comprendu. On va péter les barreaux. Bon bah. Il y a chié un passage, pourquoi pas. Je crois qu'elle est faite aussi pour les mecs qui n'ont pas la perque. Mais bon. Des âmes. Oh, mais je t'entends. Je sais pas si ça va marcher, mais... Ouais, ça a marché, ça l'a fait bugger, mais ça a marché. C'est pour voir si j'allais réussir à le tuer, honnêtement. Pognon. Et faut rentrer dans tout le truc pour aller le chercher. C'est bon, je connais le principe, hein. J'ai déjà joué à un jeu vidéo, merci de... faire en sorte qu'on ne me croit pas quand je le dise, hein. Allez. Qu'est-ce qu'il est lent! Il est devenu lourd le personnage, dis donc! Hop là. Wouah! T'avais raison, Marcus! Mais comment as-tu su que ça allait se passer comme ça? D'habitude. On va aller libérer la Syrie, ça tombe bien, je croyais que j'avais. Vous croyez m'être trompé dans ce que j'ai dit, mais en fait. Non, pas du tout. Wouah! Y'en a qui peignent des épées le long des montagnes! Ça ne va plus, ça ne se sent plus faire pipi! Ok, par contre, on a un premier... les mecs. On dirait que les oiseaux chantent les louanges du... Seigneur ! Merde, c'est pas bon, ça ! Ouf ! Ok, bon, moi, je vais décéder. Non ? Non, parce qu'ils étaient que deux. Pauvre de vous, si je puis dire. Oula, t'es resté encore en suspension, toi, mon pauvre. Ciri Baron, faut que je la libère. Mais s'il faut que je la libère, ça implique qu'il y ait des... Oh! Oh!
Ok, j'en ai eu un. Ils vont déclencher les alarmes. Du coup, nous, on va aller péter leur alarme maintenant. Malheureusement, on a un petit peu de retard. Merde, ils m'ont vu. Cherche l'alarme. J'ai trouvé l'alarme. Elle resservira plus. Vous recevez le foie. Tu ne m'as pas vu. Back. Continuez à me chercher. Continuez, c'est très très bien. Je disparais si facilement, si vous saviez. Mais non. Pourquoi t'as une lumière rouge? Oh non. Ah. Oh, il va pas me tuer. Quoi? Ah. J'ai pété les deux alarmes. Une. Et ça marche? Ça marche. C'est lent. Hop, toi tu bouffes. Toi tu bouffes. Toi tu bouffes. Toi tu bouffes. Mais oui. Aussi. J'ai vu pourtant, j'aurais bien aimé que tu me... Interdit de repop les mecs hein. Au revoir. Bon bah ça c'est fait. Libéré. Délivré. Très belle symbolique, j'aime. Oula, par contre, je suis désolé, j'ai envoyé des explosifs dans les zones de prison. Puis bonjour, madame. J'imagine que vous êtes importante, n'est-ce pas? Jacob sera vraiment pas content d'avoir perdu cet endroit. Par contre, où êtes-vous, madame? Elle a le chic pour se foutre dans les emmerdes. Tu veux bien aller la voir de ma part? Bonjour. Merci de m'avoir tiré de là. Je m'appelle Jess. Ouais. Si tu te bats contre la secte,
Tu connais déjà sûrement mon oncle Dutch. Ouais. Écoute, j'ai pas de temps à perdre. Alors je vais aller droit au but. J'étais sur la trace d'un des tarés de Jacob. Il se fait appeler le boucher. Hein? Ouais, c'est déjà un peu flippant comme ça. Mais crois-moi, il est encore pire. Je le tenais presque, mais une patrouille de cinglés m'est tombée dessus. Faut que tu m'aides. On doit pas laisser la piste refroidir. Si tu cherches à rallier les Whitetails, ça pourrait être ton ticket d'entrée. Et serait sur le gâteau, t'enverrais un gros sac à merde 6 pieds sous terre. Eh ben voilà! Y aller. On a déjà perdu assez de temps. Suis-moi. Alors je kiffe la tenue, hein. Je peux pas avoir de capuche malheureusement, moi qui joue beaucoup à l'arc, j'aurais kiffé avoir une capuche. Hop, merci pour toutes ces pauses. Vous éloignez trop d'un allié, merde! Qu'est-ce que... Où tu es? Oui d'accord, il est déjà en train de se barrer, genre on va aller le chercher tout de suite. Ok. Bah écoute, je te suis. Ouh, je te suis sans problème. Ouais. C'est sa signature. Des innocents brûlés vifs. Oh vache. Ah oui. D'accord. Oui, effectivement, il n'y a pas de souci, je veux bien le buter. T'as un super carquois en bois. Je crois que c'est en bois ou c'est en tissu. Visuellement, il est stylé. En tissu classique. Que tu sois chez toi, au bar ou à l'église, il t'embarque. Ensuite, il tranche dans deux catégories. Faible ou fort. En fait, Jacob crée sa propre armée. Et ceux qui peuvent pas ou veulent pas se battre pour lui, il les fait buter. Il appelle ça « tuer les faibles ». Ça consiste à massacrer les innocents. Personne n'y croit. Il y a fond là en termes de course, parce que franchement... Allez. Pas le droit de les... Imagine qu'elle attend qu'il se barre de son champ de vision. Ah. Même moi, je te vois pas, quoi, bonhomme. Ah, elle l'a eu. Ouais. Pas morte. Ah ben on est arrivé en plein dedans quoi. Et puis il y a le fumier qu'on poursuit. Le boucher, c'est un des chouchous de Jacob. Celui qui aime sa purge. Le boucher croit à toutes les conneries de Jacob. Cette fois, il va avoir la monnaie de sa pièce. Et des loups. Rejoignez un point en hauteur avec Jet. Pas de soucis. Je vais la faire monter au 7ème ciel. On la monte. Vas-y, t'as con. On va être plus en. Hello? Hello? Ouais, je crois qu'elle a bugué. J'ai entendu hurler tout à l'heure. J'ai douté. Voilà. D'accord. Merde, je vois pas cette grosse enflure. Mais par contre, il y a des gens enfermés. Ils traitent les gens comme des animaux. Ils les foutent même en cage. Ok, c'est parti. Je compte sur ta discrétion. Si on se fait repérer, les otages sont morts. Ok. Pas que c'est pas mon fort, hein, c'est que. Je l'ai eu. Et non, mais tu vas pas me tuer avec ta putain.
plus précis, tu meurs. On perd les têtes si on y retourne. Merci. Ouh, belle vue, même si tu lags à mort. Bah oui, mais enfin bon, le mec... Est-ce que tu comptes lui tirer dessus à un moment ou à un autre? Ah, c'était drôle. C'était drôle. Et de 1. Et de 2. Et de 3, ma petite dame. Vous êtes tous sauvés. Quoi que elle puisse en penser. Tu sais pourquoi on l'appelle le boucher? Il y a quelques années, Jacob a envoyé un de ses gars chercher une famille. Les parents et les enfants. D'abord, il les a affamés. D'accord. Il leur a rien donné, même pas une goutte de flotte. Au bout de 3 jours, ils avaient tellement soif qu'ils buvaient leur pisse. Et? Mais les gamins résistaient. Alors les parents les ont fait boire de force. Et ils ont tout dégueulé direct. Là, pas plus le boucher. Alors il a décidé d'attacher les parents à des poteaux en plein cagnard. Ok. Comment ça aura bien envie de le tuer. J'ai entendu un truc. Ah, c'était une femme qui vient de mourir, je crois. Tu es... Et voilà. Faut aller voir ce qui se passe. Ils vont les exécuter. Ouvre la voie, je te couvre. N'oublie pas, s'ils nous repèrent, ces gens sont tous morts. Et les mecs ont des visions d'aigle. Moi aussi tu me diras, mais... Oh la vache! Cette précision! Merde! Oh! C'est bon, il est mort. Putain de merde! Un de moins! Ok, ils ont tué personne. Je tue un sniper 3 fois plus loin. Ouais, tu me diras, il est en headshot, hein, mais. Ah, vas-y, profite, mon pote, profite. T'inquiète pas, t'es libre. Merci de m'avoir aidé. Ah, merci. Bon sang. T'as libéré le troisième, je sais plus où il est. Merci. Allez-y, ma petite dame. Ok, on est trop balèze, hein, je veux pas dire. On est ultra. On a fait des headshots de folie, même, hein, je dirais. Ah oui, y a un monsieur qui est censé être planté dans le coin. Et ensuite, il leur a demandé s'ils avaient faim. Bien sûr, comme ils étaient affamés, ils ont répondu oui. Ils ont supplié pour de la bouffe. Oh putain, je m'attends au pire. Ils ont demandé s'ils aimaient le porc. Ils ont dit oui. Alors il est sorti voir les parents. Il leur a enlevé leurs chaussures. En chantonnant pour leur couper les orteils. Oh! Le sang a giclé comme un geyser. Le boucher avait un grand sourire aux lèvres en offrant chaque oh, putain. Orteil aux gamins. Ah l'enculé. Faut pas que je gerbe. Ah. Oh la vache. Oh ça va être tendu. Il y a ces moments où le jeu peut te choquer. Il y a ces moments où le jeu peut te donner envie de gerber. Alors il a ri. Et il a foutu le feu aux parents. L'air s'est rempli d'une odeur dégueulasse de chair brûlée. Bah! J'oublierai jamais cette odeur. Ah putain, c'était une des gamines. Un des gamins. Enfin arrêté de hurler. J'ai regardé partout et il avait disparu. Un des deux gamins. Enfin bref, c'est pour ça qu'on l'appelle le boucher.
C'était un des deux gamins. Oh la vache. Désolé hein, mais à manger du papa et du maman hein, potentiellement. Oh là là. Oh. Dépêche-toi. Fiel consume leur. Oh là 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 là. Ah, oh mais toi tu vas pas le droit à une flèche malheureusement. Allez! Décède! Décède! Daïe! Oh, t'inquiète pas, avec le nombre de flèches qu'il a dans le corps, il va encore être en vie pendant. On sait pas que tu rentrerais dans la cage, bonhomme. Ah! À lui tout seul, il va permettre de me refaire en termes de munitions, quoi. Hop! Oh merde! Bien joué! Ah si ça. Ouais, parfait. Ça roule? Ça roule. Dutch avait raison. Le boucher est mort et... Et je ressens rien. Mon seul objectif, c'était de trouver ce type et... Maintenant... Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Dutch bah, tu restes avec moi et on va s'occuper du reste des gens qui sont en train de foutre la merde dans ce pays. Il a peut-être raison aussi à ton sujet. Il a toujours raison, apparemment, cet homme. Toi, si t'as besoin de quelqu'un pour te couvrir, appelle-moi. Et... merci. Pour tout ce que t'as fait. Bah écoute, Green Arrow, merci, hein. Juste, elle a récupéré quelques flèches, ça te dérange pas? Et toutes celles que j'ai tirées sur... sur ce mec, tu sais, voilà, voilà, par exemple. Bah écoute, je devrais pouvoir m'occuper de ça, y a pas de souci. Et quand je dis ça, je veux dire de sa survie. Avant que vous ne pensiez à des choses un peu trop malsaines. Oh, bah une voiture. Non, tu permets? Oh! C'est bien cette histoire. Allez. Ok, la chasse au grizzly est officiellement ouverte. Voyons voir ce qui vient avec un appât. Bah écoute, ce qui vient, c'est officiellement un grizzly. Et officiellement un grizzly meurt. Parfait. Eh bah écoutez, maintenant qu'on a réussi à venir dans cette région superbe, on va aller retourner dans l'ancienne, faire l'autre quête. Chien. Docteur, docteur, bonjour. J'ai bien fait d'appeler. Ça aurait pu mal tourner, pas vrai? Bah oui, ça aurait pu très mal tourner. J'aurais dû mieux vérifier avant de vous envoyer en mission. Ouais, t'aurais dû. Mais vous avez réussi. J'ai assez d'échantillons de grâce infusée. C'est ce qu'il nous fallait. J'ai eu le temps d'affiner la formule. Et cette fois, c'est du béton. Dès que j'aurai fini le processus, j'aurai un nouveau paquet pour vous. Je vous serai éternellement reconnaissant pour votre aide, officier. Le shérif m'a parlé de vos talents, mais je pensais pas que vous étiez si doué. Eh ouais, t'as vu ça? Ma petite droguerie. Non! T'es sérieux? T'es... Non! Les appâts attirent désormais les anges. Putain, c'est de la merde, ça. Alors ça, c'est de la merde, parce que maintenant, ça veut dire que quand je chasserai, je pourrais tomber sur des anges. C'est absolument débile. Ok les amis, après moult pétarade, on arrive dans cet endroit. Il semble lui aussi être une cache. Tanner, Jacob m'a ordonné d'expulser les lieux de sa famille de leur maison.
Ils nous gênent depuis trop longtemps. Pense à vérifier qu'ils ne sont pas dans leur bunker. Tu as ta carte. Tu as carte blanche. Oh là là. Je déteste quand j'entends des gens dire ça. Carte blanche vis-à-vis d'une personne. Allez, je t'entends, bonhomme. C'est un gentil, mais je t'entends. Ok, les renforts arrivent. Merde, ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Non, toujours pas de carte de sécu. Bon, ils devraient déjà être là. Ils auront aucun mal à tuer une poignée d'hérétiques. Merde, ah bah si. Un mal, bah écoute, c'est ce qu'on vient. Il est là-haut. Je peux bien rentrer. Peut bien, merci, voilà. Et de deux. On veut pas de toi, on est des. Ouais, ok. On va fuyer, hein. Et de trois. Et de 4 et de 5. Il en reste au moins 2. Il semble s'être enfui ou autre. On a plutôt géré. Maintenant qu'on a la carte, direction le bunker. Merci. Et c'est parti. Pour nous en mettre plein les fouilles. Briquet de Stanford, d'accord. Que des briquets. Intéressant. On n'a pas retrouvé, vous savez, d'armes spéciales au moment où on a... Depuis le moment où on a récupéré, en fait, tout simplement, le... L'arc. Allez! Voilà! Ça, c'est fait. Bon, je peux dire adieu à mon explosif, hein. Je vais par là. Voilà. Oh. Bah ça, c'est fait. Salut les gens!